Benvingudes i benvinguts. Bien bonjour, mesdames et messieurs, à ce lieu unique au monde, un espace qui encourage et qui souligne la réflexion, l'analyse d'une réalité qui nous passe au-dessus. Et très souvent, nous n'avons pas le temps d'assimiler cette réalité. Vous allez me permettre qu'à partir de maintenant, je vais m'adresser à vous en espagnol. Nous sommes ici donc présents pour recevoir mon message le plus direct et facile possible pour pouvoir encourager le dialogue et l'échange d'opinions. Le titre de ces trobades, c'est « Les lieux du monde ». Laissez-moi alors de vous parler de cet endroit-ci, depuis l'espace physique, mais également depuis une autre dimension différente. Saint-Louis, vous le savez bien, est physiquement un lieu spécial, berceau des racines camusiennes, un espace avec un charme tel que chaque année il est visité par des milliers de touristes et qui s'efforce pour maintenir son essence, son esprit et pour pouvoir continuer à dire que nous sommes une terre qui vaut la peine d'être sur la carte du monde. Si nous dépassons cette dimension physique et nous rentrons dans une autre sphère, je peux vous dire également que Saint-Louis et ses trobades sont l'un de ces endroits qui luttent pour empêcher que le monde se défasse, comme dit très bien le titre de la conférence que nous allons lire ensuite. Et permettez-moi de le dire ainsi, nous avons besoin de nombreux endroits de résistance dans un monde qui continue quelque peu désorienté, précipité, et en faisant un exercice permanent de l'inconsistance. Nous continuons à parler de changement climatique, de guerre, de polarisation, amené à l'extrême, de débats ennuyeux et sans substance, de réalités qu'on évite, d'inégalités qui ne cessent d'augmenter et de sens critique en pleine déroute. Nous avons donc besoin de nous protéger, construire des refuges pour avoir un temps et un réfléchi pour pouvoir dialoguer et pouvoir planifier des endroits ou des lieux pacifiques d'où on puisse réaliser le possible. Et comme nous allons très bien écouter dans ces trobades, pour moi, le lieu le plus important, c'est la conscience. En commençant par la conscience individuelle, celle avec laquelle chacun d'entre nous, nous vivons au quotidien. Je comprends que voilà le lieu d'où commence tout. Cela fait longtemps que j'essaie de transmettre le message que la vie ne peut être conçue que depuis la conscience. Et que qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, c'est aussi simple que compliqué à la fois. Être conscient de son existence, de notre pensée et de nos actes implique être responsable direct de tous ceux. C'est admettre depuis le premier moment que tout acte a des conséquences, que rien n'est aléatoire ni a lieu par hasard, et que si nous sommes où nous sommes, c'est bien parce que avant nous avons pris une décision déterminée ou un chemin concret, en le souhaitant ou entraîné par les circonstances. C'est pourquoi il faut bien avoir cela clair à l'esprit. Nous ne devons pas seulement observer les répercussions des grandes décisions de notre vie, mais aussi et surtout dans les petits gestes du quotidien, dans chaque petite décision, car il est très vrai que toute action a sa propre réaction. La conscience individuelle, c'est celle qui nous permet de mesurer quelles répercussions physiques et éthiques auront nos actes, aussi bien sur nous-mêmes que sur la collectivité. La conscience individuelle, c'est ce refuge personnel qui nous permet de calibrer et de mesurer le terrain sur lequel on peut choisir quel sera le chemin à entreprendre. Sur ce terrain que chacun d'entre nous connaît et où se forge à partir de l'expérience
de vos propres vécus et ce que vous recevez. C'est pourquoi la conscience me semble être le lieu le plus important du monde, un espace de liberté qui a besoin de capacités critiques et de valeurs éthiques. C'est pourquoi il me semble que la société, la collectivité, le monde doit travailler sans cesse pour pouvoir alimenter les consciences individuelles, pour apporter des arguments permettant de favoriser la cohabitation. Je vous disais que la conscience était le premier lieu où on peut améliorer le monde. Le deuxième endroit, pour moi, c'est la communauté. Dans cet espace où nous parvenons à comprendre que ce monde n'est pas l'addition d'un groupe d'individus indépendants, mais c'est un espace de coexistence et d'interaction mutuelle que nous appelons communauté. Une autre phrase que j'aime beaucoup, c'est « Je suis parce que nous sommes tous ». Nous sommes personnes du moment que nous avons cette perception de groupe, de collectivité, d'appartenance. Sans cette situation, aucune initiative telle que les trobades n'aurait de raison. Précisément où nous dialoguons, car nous savons être face au même chemin, chacun avec ses souliers, son rythme, sa cadence, mais à la fin, un même sentier. Conscience individuelle et sentiment de communauté, mes deux endroits dans le monde pour avancer vers une société plus juste, équitable et durable. Des lieux qui ne sont pas physiques, sans doute, mais qui peuvent se renforcer dans des rencontres physiques comme cette rencontre que Saint-Louis a l'honneur d'accueillir chaque année. Disait Albert Camus que j'ai toujours cru que si l'homme peut avoir des espoirs sur la condition humaine est un fou, celui qui attend les conséquences n'est qu'un traître. Je vous invite donc à la folie camusienne, à être quelque peu fou, à persévérer dans l'espoir de l'humanité et à le faire chacun d'entre nous depuis son propre lieu individuel, depuis la conscience individuelle qui habite dans notre intérieur en nous appuyant sur la communauté que nous devons aller chercher et construire pour faire de ce monde à la fin un lieu meilleur. Si vous avez besoin d'un lieu physique pour faire ce chemin, sachez que Saint-Louis sera toujours votre point de départ si vous souhaitez commencer ce chemin, le point de ravitaillement pour tous ceux qui sont déjà sur les sentiers et le but pour atteindre des résultats communautaires dans cette recherche. Avant de vous quitter, je souhaiterais remercier Miguel Ángel Moratín et Sandra Monac d'avoir été capables d'imaginer et faire cette réalité et à tous mes antécédents qui ont cru à ce projet et qui ont osé également de le rendre possible ici, dans notre ville. De ma part, je me sens extrêmement fier de faire partie de ce projet et d'avoir pu contribuer pour qu'il puisse se consolider pendant ces 4 années. Je tiens à vous dire une fois de plus, bienvenue à ce lieu, un lieu de parole, de réflexion et d'analyse. Merci beaucoup. Bienvenue à Saint-Louis, à ce centre culturel Albert Camus. Bienvenue à Minorque, bienvenue aux îles Baléares, bienvenue à la Méditerranée qui nous unit, qui nous interpelle chaque jour de plus en plus. Nous sommes dans la maison de Camus, au centre culturel Albert Camus, de cette ville que, comme vous l'avez très bien dit, Carole, si chère, avec autant de racines camusiennes, de famille, mais également dans l'esprit et l'engagement qu'avait essayé d'associer Albert Camus. Merci
à la maire, à toutes les équipes, à Adelaida, je ne sais pas qui est, si elle est là, qui ont commencé ce chemin pour nous retrouver tous les deux ans, comme a très bien dit Carole, pour essayer de dialoguer, de faire des réflexions, de nous avoir à nous-mêmes, car la vie que nous vivons, presque nous tous, dans ce nouveau monde si complexe et incertain, nous ne savons pas nous arrêter. On est toujours accéléré, même pour venir ici. Est-ce qu'on arrivera à temps ou pas? Est-ce que le petit déjeuner va arriver ou pas à temps? Et ici, dans cet espace singulier, camusien, je dis bien, on arrive à s'arrêter, on se détient deux jours. Et simplement par le fait d'avoir cette patience, de s'arrêter, de faire des réflexions ensemble, on en ressort enrichi pour, comme il faisait Camus, ce mythe de Sisyphe, reprendre le rocher et continuer à faire un monde meilleur. Merci beaucoup, Carole. Merci beaucoup à la mairie de Saint-Louis, car les Trobades et les prix Méditerranée Albert Camus font partie du patrimoine culturel des îles Baléares, de la Méditerranée. Déjà dans le calendrier culturel des îles, les Trobades occupent toutes les années un chapitre de l'intérêt de la citoyenneté de se réunir et écouter l'héritage et la pensée critique d'Albert Camus. Et ceci a pu être réalisé en raison de la mise qui avait été faite par la mairie de Saint-Louis, l'effort du Conseil des Manorques, gouvernement de Baléares, et un grand nombre d'acteurs et de sponsors qui nous aident pour que tous les deux ans et chaque année, quand nous avons décidé qui seront les lauréats dans ces éditions de prix que nous avons établies, Albert Camus, on puisse continuer à marcher ensemble. Hier, Sandra Monac, au théâtre principal de Mao, a quelque peu dévoilé la structure, les objectifs et le pourquoi de cette année-ci, ces quatrième éditions des Trobades camusiennes vont s'appeler sous ce concept des lieux du monde. Ceux qui avaient été fidèles et donc inconditionnels donc, à ces journées camusiennes, vous savez que nous avons voyagé tout au long des dernières années dans ces trois dernières éditions sur les trois mondes essentiels de la pensée de Camus. Nous l'avons commencé avec ce mythe du retour à Ithaca, du retour à ce qui est cette volonté du mythe de Sisyphe. Nous avons continué lors de la deuxième édition dans cette rébellion ou révolte camusienne avec Prométhée. Nous avons continué ensuite à travers le dialogue, car le dialogue, il n'y a pas de dialogue, comme on disait, pas de vie sans dialogue, comme on disait il y a deux ans. Et à présent, nous faisons une espèce de synthèse camusienne où ces trois mondes Camus eh bien, convergent dans la volonté de nous trouver à nous-mêmes. L'être humain, comme ceci a été très bien décrit par la mère, dans cette recherche de conscience propre, eh bien, trouve et découvre qu'il habite dans un monde, ce monde où nous vivons chacun d'entre nous, et que Camus, dans son fameux discours, lorsqu'il avait reçu le prix Nobel de littérature à Stockholm, et que nous allons ensuite pouvoir, après l'introduction institutionnelle, pouvoir écouter Agnès Piquel, avait dit cette fameuse phrase que nous répétons, et j'aime le dire, car finalement, cela va nous marquer ce que sera ces quatrième éditions des journées camusiennes. C'est vrai, il disait que toute génération le fait avec une intention de changer le monde. Et il avait dit avec un trait très honnête, mais ils ne seront pas capables, mais ils feront quelque chose mieux auparavant. Éviter que le monde ne se défasse. Eh bien, effectivement, le monde actuel, le 21 de 2023, nous interpelle car
On ne souhaite pas qu'il ne se défasse, mais effectivement, il y a deux grands défis qui nous interpellent tous les jours, tels que sauver la planète, éviter que le réchauffement de cette planète nous amène à des situations de désastre total, à des situations limites des êtres humains. Mais nous devons effectivement éviter cette humanité, sans doute. Et il y a, l'Europe est en guerre. Il y a une phrase que j'aime beaucoup me rappeler, ambivalente, une phrase telle que la pensée critique camusienne qui disait que le seul combat qui vaut la peine d'être réalisé, c'est celui de la paix, la paix. La paix. Vous écoutez la paix? Vous pouvez décliner ce concept? Est-ce que l'on écoute les tambours de la paix en Europe ou nous écoutons plutôt les tambours de guerre? Qu'est-ce que c'est que la paix? La paix n'est pas un art, hein, comme disait le grand politologue Yunsu chinois. La paix ne peut être effectivement un art qui... La guerre, c'est la rien, c'est le néant. C'est tout ce qui détruit. La guerre, je dis bien, n'est pas politique, comme disait Hannah Arendt. C'est la fin de la politique. Malgré que Cross disait aussi que la guerre, c'est la continuité de la politique par d'autres moyens. Non, ce n'est pas de la politique. La politique, c'est se mettre d'accord ou faire possible un accord entre les êtres humains pour éviter les conflits et les crises. Donc, par conséquent, dans ces quatrième éditions camusiennes, quand nous faisons face à ce monde qui s'effondre littéralement, nous devons envisager le besoin de la paix, de revendiquer ce terme, ce concept, cette manière de vivre et vouloir vivre. Et là, on trouvera l'héritage camusien. Mais le monde change, ce n'est pas un monde unipolaire ni hégémonique d'une grande puissance, même pas de ce monde occidental qui a tellement contribué au développement de l'humanité. C'est un monde qui doit partager, c'est un monde multipolaire, c'est un monde avec différentes cultures, civilisations, religions, différents acteurs qui souhaitent avoir leur parole. Et là, l'Alliance des civilisations que j'ai l'honneur et le privilège de présider, nous essayons d'établir des ponts, des ententes. Car comme disait très bien Henri de Luca, un autre invité à ces journées-ci, nous devons créer une génération pont face aux générations carrément de barrages, de créer des barrières, des clôtures. Bien sûr, les eaux, elles dépassent. Vous pouvez mettre un barrage et des murailles même, ou même des barrières, mais tout cela vont être dépassés, on sautera au-dessus de tout cela et finalement ce sera le chaos. Pourquoi pas alors construire des ponts d'entente, de solidarité, de compréhension? C'est cette génération qu'il nous faut construire. Et bien, dans ce monde-là, le citoyen sapiens, le citoyen du 21e siècle, a un autre défi, bien plus profond, bien plus important, avec un plus grand risque, qui est cette société de logarithme. Oui, les logarithmes qui vont essayer de nous contrôler, qui vont nous faciliter la vie, sans doute, et qui vont créer ce que je crois Camus ne serait pas d'accord. Ce seraient ces utopies dystopiques, et je dis les deux mots en même temps parce qu'il me semble qu'il nous crée un monde virtuel que les jeunes sont tellement tentés de suivre et même encouragés à croire qu'ils vont découvrir de nouvelles science-fiction, mais qui s'éloignent de la réalité profonde de l'être humain, de la pensée, de la liberté de décider par vous-même. Évidemment, nous allons accueillir les nouvelles technologies,
Bien sûr, il nous faudra nous adapter à cette intelligence artificielle où tout le monde souhaite faire des investissements. Il y a des courses à l'investissement pour l'intelligence artificielle. Le secteur privé et public le disent, il faut investir en intelligence artificielle. Et moi, je me demande combien nous investissons en intelligence humaine, qui est celle qui a créé l'intelligence artificielle. Eh bien, les journées camusiennes d'Albert Camus à Saint-Louis est un investissement en intelligence humaine. Et c'est là où il nous faut nous rencontrer, nous tous. Bien, je termine en vous disant, très chers amis, en disant qu'il nous faut créer ces espaces. Il nous faut continuer à réfléchir et à dialoguer. Et c'est pourquoi nous avons si besoin de vous. Nous avons besoin de l'héritage critique d'Albert Camus. C'est pourquoi nous avons besoin de cette boussole de Mathias Hénard. Aussi, nous avons besoin de la littérature et la création d'Antonio Molino. Et aussi à Laura Fernandez et aussi au cinéaste Abderrahman Sissako qui nous amène des images de cette Afrique profonde. C'est pourquoi nous avons besoin de chacun d'entre vous qui allez participer. Nous avons besoin pour créer un monde meilleur et créer ces espaces de résistance et ces espaces d'imagination, de création. Mille merci.